loyo, ilo le talia yo, yo kuma male loyo, mana bineli yo, yawe male loyo, mana tanjoli yo, papa male loyo, mana netoli yo, yawe male loyo, tikala bidela yo, yawe male loyo, mana netoli yo, yawe male loyo. Hallelujah.
alors que nous nous apprêtons à offrir au Seigneur, préparons nos offrandes, nous allons prier et venir offrir au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, précieux Père, nous venons recommander ces temps d'offrande entre tes mains. Éternel, bénis tes enfants, bénis chacun qui, Seigneur, qui viendra, Éternel, pour t'offrir, Yahweh. Éternel Dieu Tout-Puissant, à ceux qui en manquent, Seigneur, fais grâce qu'à la prochaine rencontre, Seigneur, qu'ils puissent venir te bénir. Éternel, bénis ces temps, lorsque Yahweh, Éternel, que tout un chacun de nous reçoive, Seigneur, ta bénédiction, au nom suprême et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. Venons offrir au Seigneur. Abogo, bon, la colo,
le Seigneur. Amen, amen. Alors, nous allons lire la parole. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans Apocalypse chapitre... Apocalypse. Chapitre 5, du premier verset et du premier verset jusqu'au verset 10. Vous y êtes, vous avez trouvé Apocalypse chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 10. Et nous allons lire comme d'habitude, d'une manière alternée. Je lis le premier verset et vous lisez le deuxième ainsi de suite. Je lis au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alors ce soir, comme on l'avait annoncé, qu'on aura un temps de témoignage. Alors si vous avez un témoignage, tu viens me voir à la fin pour qu'on t'enregistre, parce que nous voulons que les choses se fassent en ordre. Alors si vous avez un témoignage à la fin du culte, venez me voir parce qu'on veut que les uns et les autres témoignent de ce que Dieu a fait ici dans la maison de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous allons écouter notre frère qui va s'avancer, le frère Jamie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'avance pour témoigner? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens témoigner la fidélité et la main de Dieu qui m'a rendu libre et qui a changé mon statut social. Alors que j'étais chômeur, un étudiant fauché, les étudiants de campus sont fauchés, vraiment fauchés. Et je témoigne d'abord, premièrement, la main de Dieu qui m'a rendu libre. Libre dans quel sens? Il y a les 40 jours passés, je n'arrivais pas à finir les cultes. Mon père est là, il le sait. Je vivais dans une maison où on a mis une limite de 20 heures pour finir, pour arriver à la maison. Donc, dès qu'on dépasse 20 heures, on ne peut plus assister, tu ne peux plus rester à la maison. D'où tu étais, tu rentres d'où tu étais. Alors, moi, je venais ici au culte. Dès qu'il est 19 heures, je devais rentrer. Les gens s'étonnaient même, ah, pourquoi il ne finit pas les cultes? Une fois même, le jour que Papa Florent était venu, il était 19h30 ou 40, je crois bien. J'ai couru de l'église jusqu'à la maison. Pourquoi? Parce que l'heure courait. J'ai même pris ma Sainte Cène les derniers jours en cours de route. Pourquoi? Parce que il était déjà 19h50. Et arrivé à la dernière minute, ça m'a vraiment créé de problèmes. Pourquoi? Parce que je faisais le campus, je descendais directement à l'église.
Donc je sortais à 6h et je revenais à 19h50 ou 50-51. Pourquoi? Parce que on devait respecter les règles que la personne d'où je vivais avait établies. Alors je viens témoigner la main de Dieu parce que Dieu m'a rendu libre. Je peux finir les cultes, rentrer même après tout le monde. Parce que le Dieu de mon père, le Dieu de Thuram Kasongo m'a rendu vraiment libre. Et je témoigne d'abord premièrement pour ça. Et alors que, deuxièmement, je témoigne pour la fidélité de Dieu. Parce que, alors que j'étais en train de rechercher mon lieu de stage, je suis venu avec ma lettre de stage pour proposer à papa de m'aider pour un lieu de stage. Et c'était un jour, si il y a ceux qui étaient là se rappellent bien, je suis venu avec ma lettre, c'était dans une farde rouge, je l'ai déposée devant la chaire, alors qu'on était encore en train de construire les prophètes qui devaient prêcher. Et quand le prophète est monté sur la chaire, il a demandé, la farde appartient à qui? J'ai juste levé la main, il a dit, j'ai un message pour toi, mais je te dirai après. Et puis, on s'est vu le lendemain, il m'a dit, il y a un message pour toi. Parce que quand j'étais assis, Dieu m'a parlé du propriétaire de cette farde. Et alors que j'étais en train de chercher mon lieu de stage, Dieu a parlé au prophète et en lui disant que partout où tu déposeras ta lettre de stage, tu seras admis, accepté. Et non seulement ça, pas seulement pour un stage académique, mais aussi pour une carrière professionnelle. Et je viens témoigner la fidélité de Dieu parce que je le vis maintenant. Je le vis maintenant. Et Dieu a promis plusieurs choses, pas seulement ça. Parce que alors que j'ai eu vraiment des problèmes, je suis retourné chez maman. Je me posais beaucoup de questions. Comment je vais payer mes études alors que je dépendais de quelqu'un? Mais Dieu a révélé à travers le prophète, le travail que tu as eu, c'est pour te prendre en charge, pour payer tes frais et tout consort. Parce que Dieu veut que tu puisses le faire seul. Alors que moi, je me posais trop de questions et maman même s'inquiétait. Mais comment on va faire pour payer? Moi, je ne travaille pas. Moi, je dis, Dieu est là et Dieu fera des grandes choses. Et je viens témoigner la fidélité de Dieu parce que, alors que même il est arrivé une fois, j'ai même dit, ah, Nzambe, Nzambe, cop, t'es dans foot à classe, n'est-ce pas, la ta, pesant à ta cop, n'a foot à, vu que je vendais des vareuses, j'ai dit, ah, Dieu, fais même que je puisse avoir des fonds pour vendre. Et puis à un moment, je me suis dit, non, Dieu m'avait promis qu'il va m'accorder un travail. Donc j'ai changé de prière, j'ai dit, seulement le travail que tu avais dit que tu vas me donner, tu dois me donner jusqu'à ce que je veux voir. Et je témoigne la fidélité de Dieu parce qu'il m'a accordé ce travail. Et j'ai béni Dieu. Merci papa pour tout. Parce que papa était un canal de bénédiction pour moi. Et il est toujours un canal de bénédiction pour moi. Parce que si peut-être j'étais allé chez quelqu'un, peut-être je n'allais pas vivre ça. Mais parce que j'étais venu au bon endroit déposer ma lettre de stage, c'est pourquoi je vis cette grâce et cette bonté. Que Dieu soit béni. Acclamer pour le Seigneur, le Dieu qui a frayé le chemin pour notre frère. Il le ferait également pour toi. Il le ferait également pour toi. Parce qu'on peut s'élever dans la maison de Dieu, nous voulons recevoir notre Père. Alors que tu es debout, j'aimerais que tu lèves simplement tes mains, que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir alors que je suis dans ta présence. Je n'aimerais pas rater. Je n'aimerais pas, Seigneur, manquer quelque chose. J'aimerais que tu me parles alors que j'ouvre mon cœur, alors que tu m'as attiré dans ta présence. La Bible déclare que le pas du juste sont conduits par le Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix et demander à Dieu, Seigneur, ce soir, je n'aimerais pas quitter ces lieux de la même manière que je suis venu. Parce que tu m'as attiré auprès de toi. La Bible déclare que personne ne peut venir à lui sans que Dieu n'ait mis en lui les désirs. Alors que le Seigneur a déposé ses désirs pour que tu t'approches de lui et que Dieu te parle et que sa parole te transforme et que ta vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle à nos âmes, Seigneur. Oui, cette parole qui peut sauver quelqu'un. La Bible déclare, recevez avec joie cette parole qui peut sauver vos âmes. Père, nous la recevons avec joie. Nous la recevons avec action de grâce. Nous la recevons, Seigneur, comme une semence incorruptible, comme une semence de vie, comme la pluie.
Elle ne rentre pas vers toi, Seigneur, sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur alors que nous recevons notre Père qui s'avance. Acclame le Seigneur, acclame fortement, acclame Dieu, acclame Dieu. Tes acclamations m'étonnent. Hein? Tes acclamations et tes cris de joie m'étonnent énormément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la bonté de Dieu? Dieu conduit les pas des hommes à la bonne destination. À la bonne destination. Si vous demandez au frère Jami, ce qui botoni ndeko Jami, en 2020 il était où? En 2020 azalaki wapi? Il vous dira il ne sait pas. A ébité sika azalaki. Mais si vous lui demandez comment est-ce que Dieu a quitté guidé ses pas jusqu'ici? Ce que tuni lo lenge nini nzamba tambo si matambe na ekino awa. Au début, il ne savait même pas. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'il a vécu comme succession d'événements, il peut conclure certainement l'ange de l'Éternel marchait devant moi et il a conduit mes pas. Toi aussi tel que tu es venu, je déclare et je te l'ai dit que c'est l'ange de l'Éternel qui a marché devant toi et qui a conduit tes pas jusqu'ici. Tu passeras ici et tu témoigneras la bonté et la fidélité de ces dieux. Tu témoigneras. Simplement laisse ton cœur disposé. Laisse que ton cœur soit disposé. Nous courbons nos têtes. Père, je te dis merci parce qu'aujourd'hui le ciel va être ouvert. Les écluses des cieux seront ouvertes et la gloire de Dieu par la prière des saints va descendre. Merci pour la gloire que nous allons vivre. Merci pour la puissance qui va nous toucher. Non pas à cause de nos efforts, mais par la grâce que nous avons obtenue de Dieu et par l'onction qu'il a mis sur nos vies. Merci parce que je te permets, Seigneur, d'utiliser ma bouche, d'utiliser mes mains, d'utiliser mes yeux, d'utiliser mes oreilles ce soir pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous mettons nos mains ensemble pour Jésus. Bakisa na mololo na mololo. Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre ta place. Je sais pas si j'aurai à épuiser ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alors je vais essayer d'être rapide. Na kozala na lombango, condensé. Na sangisa obemo pikonyoso. Ce que je veux enseigner aujourd'hui. Oh, nakotali salelo. Que le Seigneur m'aide. Nkolo asungangai. Alors, allons-y. Tokende. Aujourd'hui, je veux parler d'une deuxième chose. Lelo nakoloba natina le kambo moko ya mibale. Que tu dois faire. Oui, sengeli osala. Pour devenir prophétique. Pona kokoma moto ya esakwa. Pour être aligné dans la fréquence du ciel. Pote ochama na molongo ya mabongiso ya lola. Et vivre ta destinée. Hier, j'avais donné le premier élément. Continue à les pratiquer. J'avais parlé du pardon. Si tu n'étais pas là, va suivre l'enseignement en ligne. Applique-le. Et je crois que quand on a commencé la prière ici, nous avons suivi ce canevas-là. Continue à l'appliquer. Mais aujourd'hui, je donne le deuxième élément. C'est la prière. Mais attends ce que tu vas entendre. Parce que quand j'ai dit, je veux parler de la prière, quelqu'un s'est dit, ah, prier. On prie chaque jour. On nous enseigne sur la prière. Mais c'est aujourd'hui que tu vas redécouvrir la prière.
J'ai dit c'est aujourd'hui que tu vas redécouvrir la prière. Je vois quelqu'un en train de faire j'ai passé mon temps. Certains vont se rendre compte qu'ils ne prient même pas. Et aujourd'hui tu vas prier. J'ai dit aujourd'hui tu vas prier. Alors pourquoi on enseigne sur la prière? Parce que c'est l'unique activité. L'unique activité qui est établie comme étant le moyen de communication avec le ciel. Et nous enseignons la prière parce que beaucoup n'ont pas la réponse à leur prière. Si je pose la question ici, il y a beaucoup qui n'ont pas de réponse à leur prière. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre les réponses de ta prière. Pourquoi on ne reçoit pas les réponses? Certainement parce qu'on prie de la mauvaise façon. Et s'il y a une mauvaise façon de prier, c'est qu'il y a une bonne façon de prier. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner la bonne façon de prier. Et nous avons beaucoup de jours ici de prière. Et j'aimerais que les prières que tu vas commencer à faire à partir de maintenant, que toutes les prières soient exaucées. Et je sais que tu recevras les réponses à toutes les prières que tu feras à partir de ce soir. Amen. Mais je vais aussi vous montrer comment être sûr que vous êtes exaucé. Parce qu'il arrive des moments où Dieu a déjà répondu à ta prière. Mais toi, tu continues à prier. Pour la même chose. Tu continues à demander la même chose. Alors que Dieu a déjà répondu par rapport à ce que tu demandes. Et il y a des gens qui vont se rendre compte que oh, mais cette prière que j'avais faite, cette demande, Dieu avait déjà répondu. Quelquefois, lorsque Dieu répond, nous ne savons même pas qu'il a répondu. Parce que la réponse qu'il a donnée, ce n'est pas ce que nous attendions. C'est pourquoi, déjà dans la prière, quand tu pries, tu dois être prêt à entendre Dieu. Et être prêt à accepter ce que Dieu te donne comme réponse. Que Dieu dise oui, que Dieu dise non. C'est la bonne réponse pour toi. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Si tu pries pour quelque chose, Dieu te répond positivement. Bénis le Seigneur. S'il te répond négativement, sache que c'est pour ton bien. Bénis le Seigneur. Il a répondu à ta prière. Parce que quelqu'un se met à prier, il s'est dit, Seigneur, donne-moi une maison. Pendant que Dieu, quand il voit cette saison-là, s'il te donne la maison, ça va te détruire. Et il te donne la réponse qu'il ne va pas te donner la maison maintenant. Tu dois te réjouir parce que Dieu a répondu à ta prière et il t'a épargné d'un danger. Moi, je connais un frère qui a été disqualifié dans les ministères. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est parce que beaucoup de choses sont arrivées dans sa vie. Il a abandonné le ministère. Pourquoi? Il servait le Seigneur et il passait par des situations difficiles. Il a commencé à demander à Dieu de lui donner ne fût-ce que la maison. Et il a eu la maison. Et le premier jour qu'il obtient la maison, il reçoit la fille avec qui elle vivait. Et c'est ce jour-là qu'il est tombé avec cette fille-là dans l'impudicité. Et c'est ce jour-là que le diable est entré dans sa vie. Et sa vie a commencé à décliner, maladie. Et il a même abandonné les ministères. C'est comme ça, il y a des gens ici. Dieu
te garde dans une maison où tu dors au salon, est-ce que tu dors au salon parce que tu ne t'es pas encore affermi en lui pour résister à certaines tentations. Il y a d'autres ici, Dieu ne leur donne pas de voiture parce qu'il n'est pas encore affermi dans le Seigneur, pour que cette voiture ne le conduise pas loin du Seigneur. Il y a d'autres, Dieu les garde dans le chômage parce qu'il n'est pas encore affermi pour supporter tout l'argent là dans sa poche. Il y a un autre, Dieu ne lui donne pas le mariage parce qu'il n'est pas encore prêt à honorer son mari, à honorer sa belle famille. Elle n'est pas encore prête. Un autre, Dieu ne lui a pas donné une femme parce qu'il ne sait pas encore comment entretenir une femme. Il risque de la détruire. Je prie que Dieu t'épargne de tout danger. Mais quand tu pries, sache que Dieu répond. Je dis, quand tu pries, Dieu répond. Amen. Alors le problème de la prière, ce n'est pas un problème de la durée. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 10 heures. Mais le plus grand problème de la prière, c'est comment prier et pourquoi prier. La durée est importante seulement lorsque les comment et les pourquoi sont compris. Si tu ne comprends pas le comment, tu ne comprends pas le pourquoi, tu risques de passer des heures dans la prière inutilement et tu vas te fatiguer. Alors, en ce qui concerne la prière, je veux donner trois éléments, quatre éléments rapidement, de comment prier. Et puis je veux plus passer le temps à nous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un saisit le pourquoi, le comment devient facile. Est-ce que vous me saisissez? Quand quelqu'un comprend le pourquoi d'une chose, le comment devient facile. Alors, comment prier? Déjà la Bible nous dit ceci. Je vais la première de choses, Jésus-Christ, pendant qu'il est en train de parler aux disciples, un jour, ils ont vu Jésus prier. Quand ils ont vu Jésus prier, il est descendu de la montagne et il a fait des choses. Il a fait des choses. Il rentre, il prie. Parce que Jésus ne priait pas avec ses disciples. Il priait toujours seul. Il s'est retiré et il priait. Alors les disciples se sont dit, comment lui prie? Parce que nous ne parvenons même pas à prier pendant une heure. Mais lui prie pendant toute la nuit. Alors ils sont venus dire à Jésus, Jésus, comment prier? Et Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ici, je parle du comment de la prière. La première chose, c'est que tu dois savoir à qui tu parles. Tu dois savoir à qui tu parles. Tu dois être sûr que tu n'es pas en train de parler aux anges. Tu dois être sûr que tu n'es pas en train de parler à un quelconque esprit. Tu dois être sûr que tu ne parles pas à quelqu'un d'autre, à un homme. Mais tu dois être sûr que je parle à Dieu qui est mon Père. C'est-à-dire, pour être sûr que tu parles à Dieu, tu dois être sûr de ta relation avec Dieu, de ta communion avec Dieu. Si tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, quand tu t'agenues, aie dans ta conscience que je suis en train de parler à mon Dieu et à mon Père. Ça, c'est la première chose en ce qui concerne la prière. Je parle à qui?
Je parle à qui? À mon Père. À Dieu qui est mon Père. Et lui il est aux cieux. Moi je suis sur la terre. Et quand je prie, ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu. Ça c'est la première chose. En ce qui concerne les commandes de la prière, sois sûr que tu parles au Père. Chaque fois que tu pries, sois conscient que je parle au Père. Sois conscient au fond de toi. Mes paroles ici, c'est Dieu qui les entend. Mes paroles ici, c'est à Dieu que je suis en train de les dire. Parce que quelquefois les gens se mettent à prier. Ils prient seulement. Oh, Seigneur. Mais il n'est pas vraiment conscient. C'est ce que j'ai dit ici. Je parle à Dieu. Et il est en train de m'écouter. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu pries, sois conscient que tu parles à Dieu. C'est comme ça que tu ne seras pas juste en train de copier les paroles de quelqu'un. Parce que tu vas croire qu'il faut juste prier. Il a dit quoi? Oh, Kolo Papa na Kumisio. Ah, prière et Zakabongo. Kolo Papa. Non, 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 nous ne faisons pas une activité religieuse. Que on dit ça dans la prière. Non, non, non. Quand je prie, je parle à Dieu. Je parle à mon Père. Et je lui dis quoi? Les choses qui me concernent, les choses que je veux lui communiquer. Tel que j'avais enseigné hier, je peux me mettre à lui parler de quelqu'un. Seigneur mon Père, je sais que tu as la capacité de pardonner. Pardonne telle personne. Pardonne telle personne. Aie pitié de telle personne. Tu es conscient que tu parles au Père. Aujourd'hui, pendant que nous allons prier, sois conscient que tu parles au Père, à ton Père. Deuxième chose, par rapport à la prière, Matthieu chapitre 6, le verset 33, c'est là où Jésus dit, il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et la prière, c'est une activité qui t'amène à chercher le royaume de Dieu. Alors, dans ce même chapitre, allons maintenant versets 5 et 6. Parce que j'enseigne comment étudier la Bible. Quand il y a une chose qui est dite quelque part, cherchez aux alentours, vous allez trouver les réponses attachées à ça. Et quand Jésus, à la conclusion, dit chercher, c'est que quelque part au début, il en a parlé. Il dit, les restes des choses vous seront données. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vous seront donné comme une récompense. Alors, au verset 5 et 6, la Bible dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, mais qui? Toi. Quand tu veux prier, ne sois pas comme les hypocrites. Ils prient pour qu'on entende qu'ils prient. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Quand on parle du lieu secret, bon, on a souvent défini ça par notre chambre. Si nous définissons ces lieux-là comme étant notre chambre, nous allons conclure que la Bible dit que Dieu est là. Et par conséquent, nous pouvons conclure que Dieu n'est pas à l'église. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de gens, ce n'est pas un lieu secret. Et vous voyez que cette interprétation ne tient pas. Donc, les lieux secrets dont on parle ici, ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ton salon, mais ça, c'est ton cœur. Parce que Dieu habite dans ton cœur. C'est dans ces lieux secrets qu'il habite. C'est là qu'il est.
Ça veut dire simplement, tes paroles à toi ne doivent pas tenir compte de ce qui se passe autour. Ça ne doit pas dépendre de qui est à gauche, qui est à droite. Ça ne concerne pas qui est là. Ce n'est pas pour démontrer à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est ton cœur qui s'exprime à Dieu. Tu parles à Dieu des choses qui proviennent au fond de toi. Non pas pour te faire grand devant les gens. Non pas pour paraître spirituel, mais c'est juste une communion intérieure qui se manifeste par les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça le lieu secret. C'est comme ça que quelqu'un peut prier profondément juste en bougeant la tête, comme c'était le cas de Anne. Il priait dans le lieu secret, et ce que les hommes voyaient, c'était seulement les larmes. Mais c'était pas ça qu'elle voulait montrer. Elle ne voulait pas montrer qu'elle pleure. Non, c'est quelque chose qui venait de l'intérieur. Et si tu pries de cette manière-là, c'est en ce moment-là que tu communies avec Dieu. Il est mon Père, il est dans mon cœur, je communie avec lui. C'est comme ça, quelquefois, si tu ne fais pas attention et que tu es avec moi, il peut arriver que tu croies à un certain moment que je ne prie pas. Cependant, je peux passer toute une nuit juste en train de prier, mais aucune parole ne sort de ma bouche. Et mes yeux aussi ne sont pas fermés. C'est-à-dire, je reste la nuit. C'est comme le lundi. Quand on a fini, on est sorti ici. J'arrive à la maison. Je sens que je ne peux pas dormir. Et je reste là. Mes yeux étaient ouverts. Je communiais avec le Seigneur. Bien qu'il y avait la fatigue après les cultes, je communiais avec le Seigneur. 4 heures du matin, je sors et je viens ici au bureau. Je viens au bureau. Et puis je sors, je repars. Et je suis rentré à la maison de 6 heures. C'est en ce moment-là, quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, bon, le soir, je dois prêcher. Je voulais prier. Je me suis dit, non, je me repose maintenant. Et puis, je me suis endormi. Mais si tu étais à côté de ma chambre, tu ne vas entendre aucune voix. Et toi, tu peux penser que je dors. Mais en réalité, je suis là toute la nuit à communier avec Dieu. Mes yeux ouverts, je regarde jusqu'au petit matin. Mon cœur est en train de communier avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça peut, maintenant, les paroles peuvent sortir de la bouche tout comme ça. Mais quelquefois, c'est nécessaire. Donc, c'est ça le lieu secret. Troisièmement, comment prier? Il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Pourquoi? Parce que comment les gens se posent la question, comment je peux prier sans m'arrêter? Non, parce que je peux être en train de causer avec toi, mais dans mon cœur, je communie avec Dieu, je prie. Je peux être en train de marcher, je prie. Et comme je peux être en train de vous prêcher comme ça, mais dans mon cœur, il y a une prière qui tourne. Donc je prie sans cesse. Donc il faut prier sans cesse. Et vous comprendrez le pourquoi de ça. N'arrêtez pas de prier. Et quatrième chose, comment prier? Il faut prier avec la foi. Jacques 5:16. La Bible déclare. Je veux les lire. Jacques 5. Le verset 16. La Bible dit ceci: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ça, c'est la version Semeur.
Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La prière de qui a une grande efficacité? La prière du juste, c'est qui est juste? C'est celui qui a la foi, parce que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc on obtient la justice par la foi en Christ Jésus. Donc ça veut dire comment tu vis. Si tu vis dans les péchés, tu n'es pas juste. Si tu vis dans les mal, tu n'es pas juste. C'est impossible que ta prière soit efficace. Il faut que tu marches dans la crainte du Seigneur. Tu dois pas attendre les témoignages des gens. Toi-même, tu dois donner les témoignages. Comme un jour, j'étais en train de marcher avec Théo dans la voiture. Théo m'a regardé. Il a dit: papa, Tata, j'ai regardé Théo, j'ai dit amen. Nathalie est le bien amen. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le dise. Pourquoi? Il sait comment il vivait. Il sait quand est-ce qu'il a rencontré Jésus. Il a vu comment il a abandonné toutes ces choses-là. Quelquefois il reste sans argent. Quelquefois il reste comme ça. À cause du Seigneur. Il reste comme ça. À cause du Seigneur. Les filles sont en train de courir derrière lui. Parce qu'ils aiment son style. Pantalon ici. Elles viennent d'elles-mêmes. Mais Théo dit non. À cause du Seigneur. Et puis il s'assoit, il voit comment il craint le Seigneur. Il dit non. Je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas attendre les témoignages des autres. D'autres sont saints seulement à cause des témoignages des autres. Mais eux-mêmes. Il ne craint pas Dieu. Il le sait. Et si tu es comme ça, ta prière ne sera pas efficace. Tu vas prier, mais ta prière ne sera pas efficace. Qui va donner un grand amen? Dis à ton voisin: crains le Seigneur, crains le Seigneur, crains le Seigneur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Oh. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Jean 14. Jean 14. 13 à 14. Jean 14, 13. Écoute ce que la Bible. Et quoi que ce soit. J'ai dit: et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. Pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Déjà Dieu te promet qu'il va te répondre quand tu demandes quelque chose. Pourquoi tu dois prier? La première chose, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Nous prions déjà avec les quatre éléments que j'ai cités. Mais avec quelle raison? Pour manifester la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Et quoi que ce soit vous demandiez à mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Ça veut dire que Dieu est heureux à répondre à nos prières. Il attire un grand bénéfice. La manifestation de sa gloire. Les hommes auront l'opportunité de voir la gloire de Dieu. C'est comme ça, quand tu pries, tu dois comprendre que l'une des raisons pour laquelle je prie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste.
Dieu veut que sa gloire se manifeste. Il me répond parce qu'il veut que sa gloire se manifeste. Dieu a tout intérêt. Parce que quelques personnes prient, c'est comme si Dieu ne veut pas répondre. Non, il a dit quoi que ce soit que vous demandez. Dieu est prêt à répondre, prêt à te donner d'abord pour que sa gloire soit manifestée. Pour que sa gloire soit manifestée. Donc, quand je me mets à genoux, je prie. Je sais déjà, Dieu aujourd'hui, il a besoin. Il est en train de chercher que sa gloire se manifeste. Avant même que moi je prie, Dieu déjà est content. Il est pressé que sa gloire se manifeste. Il attend seulement que moi je réunisse les quatre conditions que je veux dire. Quand tu as réuni les quatre conditions, la prière est efficace parce que Dieu veut manifester sa gloire. Donc, quand tu demandes à Dieu la maison, il veut le faire pour que sa gloire se manifeste. Quand tu demandes à Dieu le mariage, il est prêt à te donner pour que sa gloire se manifeste. Maintenant, souvent nous confondons les choses. Quand tu demandes quelque chose, c'est pour te glorifier toi-même. C'est pour être orgueilleux. C'est pour montrer aux gens que toi aussi tu as. Parce que toi aussi tu as reçu. Et Dieu voit que ici, je ne vais pas tirer de gloire. Cet homme ici ne va pas même me glorifier. Comment est-ce que nous glorifions Dieu? Nous manifestons la gloire de Dieu lorsque cette chose que nous avons reçue, nous reconnaissons que celui qui nous a donné est pour sa gloire. Il a répondu pour sa gloire. Ce qui fait que cette chose qu'il m'a donnée, je dois m'en servir pour une seule raison, pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle quand tu pries, tu dois prier à ce que tu te détermines en toi-même ce que je suis en train de demander à Dieu. Avant de le demander, je prépare déjà les décors. Je m'arrange qu'à ce quand cette chose-là viendra, ça va servir pour la gloire de Dieu. Quand je me suis assuré de ça, je viens maintenant prier parce que Dieu aime que sa gloire se manifeste et je commence à demander à Dieu: Seigneur, donne-moi ma voiture. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que j'ai établi en moi. Comme on dit en anglais, I have made up my mind. Papa lobby. I've made up my mind. Yango wana papa. C'est-à-dire, j'ai établi ma pensée comme ça. Quand j'aurai la voiture, je veux commencer à accompagner le frère. Je veux commencer dimanche matin. J'habite à Lemba. Mais je vais à Pascal, chercher ce frère-là qui a du mal à venir avec sa famille. Je viens avec lui au culte. Oh, je n'amènerai aucune fille pour la légèreté dans ma voiture. Je ne ferai pas de ma voiture un lieu de péché. Et je ne vais pas me vanter devant les hommes que j'ai une voiture. Tu prépare déjà ta pensée comme ça. Ma voiture sera pour la gloire de Dieu. Quand mon pasteur voudra que je les transporte, je serai là. Le jour où mon pasteur m'appellera, nous avons besoin d'une voiture pour aller chercher une maman, je veux donner. S'il y a une course pour l'église, je veux donner. Alors quand tu te mets à genoux maintenant, tu dis: Seigneur, donne-moi la voiture. Dieu sait. C'est pour manifester sa gloire. C'est pour lui donner gloire. C'est pour le servir. Et quand tu vas témoigner, ça ne sera pas pour montrer aux gens comment toi tu as le moyen, mais comment Dieu t'a béni par rapport à cela. Est-ce que tu comprends comment, pourquoi on prie? Pourquoi on demande des choses? Pour manifester quoi? Nkembo na Nzambe. Et Dieu n'est pas glorifié quand nous prions. Il est glorifié quand nous sommes exaucés. Quand tu pries, Dieu n'est pas glorifié. C'est comme ça que tu dois plus t'intéresser à l'exaucement qu'à la prière. Donc c'est comme ça que tu dois t'arranger à ce que tu pries pour avoir les résultats. Parce que beaucoup pensent que Dieu est glorifié quand il passe des heures dans la prière.
Quand il prie beaucoup, certains pensent c'est parce qu'il est allé en retraite que Dieu a glorifié. Dieu a... Non. Dieu est glorifié lorsque la prière est exaucée. C'est pourquoi toi, tu dois prier pour être exaucé. Et pour être exaucé, l'une des raisons de la prière, c'est de donner gloire à Dieu. Jean 16:24. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples. J'ai aimé ça. Hein? Écoute ce que la Bible déclare. Quand je lisais ça, j'ai dit ok. Jusqu'à présent, vous n'aviez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Dans notre version, dit pour que votre joie soit parfaite. Imaginez, c'est Jésus qui est déjà dans Jean chapitre 16. C'est-à-dire il a marché pendant longtemps avec les disciples. Et puis il leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ça veut dire jusqu'à présent, vous n'avez rien pris. Mais si vous rentrez, vous allez voir qu'à plusieurs moments, ils ont demandé des choses à Jésus. Il y a des gens ici, ils croient qu'ils ont prié. Mais si le Seigneur Jésus lui-même vient ici, il te dira jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as rien demandé. Pourquoi tu n'as pas reçu? Parce que la loi de la parole de Dieu établit quand tu demandes, tu fais quoi? Tu vois, tu as du mal à croire que moi ici je n'ai pas demandé. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui. C'est Jésus qui parle aux apôtres. Il dit depuis que j'ai commencé à marcher avec vous, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. Quand j'ai lu ça, je me suis rappelé de quelque chose qui se passe souvent dans ma maison, dans ma famille. J'ai rié souvent avec ma mère et tout. Et même avec mon épouse. Souvent ma mère venait. Tu rames. Donne l'argent du marché. Je vais rester silencieux, je ne bouge pas. Mais je t'avais demandé l'argent du marché. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, je lui dis, il faut me dire, donne-moi $20 pour le marché. Tu me dis, donne-moi l'argent pour le marché. Tu m'as demandé combien? Tu m'as demandé quoi? Et moi, je considère qu'on me dit ça, qu'on ne m'a pas demandé. Et souvent avec mon épouse c'est comme ça. J'ai de l'argent pour telle chose. Je reste silencieux. Et puis je peux dire comme Jésus jusqu'à présent. Tu n'as rien demandé. Il faut me dire. Il faut $100 pour telle chose. Là tu as demandé. Et je prends, je donne. Mais les femmes. Tu peux répéter quelque chose 1000 fois. Souvent, je regardais ma mère, je disais, c'est seulement elle ou bien quoi? Je me suis marié, j'ai vu mon épouse. Toi aussi, tu es comme ça. Les femmes. Ah si. Tu vois, elles sont en train de rire. Il faut que je mette les mèches. J'ai besoin d'une robe. Jusque là. J'ai besoin de nouvelles chaussures. Jusque là. Amen. Dieu aussi est comme ça. Mais il y a ici des gens jusque là. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit ceci. Demandez et vous recevrez. Quand vous demandez effectivement, vous allez recevoir. Maintenant, pourquoi vous allez recevoir? Pour que votre joie soit complète.
Pour que votre joie soit complète. Nous prions pour avoir une joie complète. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle nous prions. Pour que notre joie soit complète. La joie doit être la chose que tu cherches dans ta vie. Ça doit être le but pour lequel tu pries. D'avoir la joie complète. Maintenant, si tu dois prier pour avoir la foi complète, au début, tu dois déjà avoir la joie. C'est ça une manière de prier par la foi. La chose que le but que tu es en train de chercher, tu dois commencer déjà à les vivre maintenant. Lorsque tu cherches la gloire de Dieu par ce que tu demandes, aujourd'hui déjà tu dois glorifier Dieu dans ce que tu as et dans ce que tu es là où tu vis. Et si tu pries pour avoir la joie complète, aujourd'hui déjà quand tu pries, au début de ta prière, tu vas déjà manifester la joie. Et c'est comme ça que tu vas atteindre l'objectif. C'est ça la foi. Et c'est comme ça quand nous parlons de foi, la foi en Dieu, c'est commencer déjà à vivre comme si tu étais au ciel alors que tu es sur la terre. C'est ça la foi. Parce que dans notre objectif de la foi, nous sommes en train de suivre le ciel. Mais comme c'est ça notre objectif, sur la terre, nous commençons déjà à vivre dans la pureté, dans la justice, dans la louange, dans la crainte de Dieu, comme si nous étions déjà dans le paradis, dans la paix et dans la joie. De telle sorte que quand tu pries pour la gloire de Dieu, tu dois commencer à manifester la gloire de Dieu aujourd'hui là où tu es. Quand tu pries pour que ta joie soit complète, tu dois déjà commencer à être joyeux maintenant. C'est la joie qui a donné à Jésus la possibilité de supporter la croix. La joie est essentielle. Hébreux 12:2, la Bible dit: gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire qu'il a obtenu cette joie-là. Mais parce qu'il avait en vue la joie, ça lui a permis d'endurer. Tu dois prier pour que ta joie soit complète. Et tu aspires à la joie. Tu commences à manifester la joie maintenant. Et quand tu expérimentes la petite joie aujourd'hui, tu auras l'idée de la joie complète et parfaite à venir. Ça te donnera la capacité d'endurer la difficulté qui est sur le chemin. C'est pourquoi Jésus a supporté la croix. Vous savez, les gens qui vont au travail, ils travaillent le matin, ils se réveillent à 5h. Tu vas le trouver beaucoup de tâches là-bas. D'autres se refusent même d'aller à la pause. Toi, tu crois que c'est le travail qu'il aime? Non. Il y a une joie qui l'attend. Et c'est le salaire. Les foot, à cause de cette joie qui viendra à la fin, même quand le travail est dur, même quand c'est difficile de se réveiller le matin, quand il voit seulement la joie, il se réveille. Même si c'est la saison sèche, il fait froid. Je veux rester. Quand il regarde la joie, quand les SMS viennent dans les téléphones, SMS est côté. Elle est qui la banque? Elle est qui? C'est tous les fonctionnaires. Basali à l'État. Elle est qui? Quand on arrive déjà vers le 20, les fonctionnaires. Elle est qui? Elle est qui? Non, nous t'es maillé déjà dans la banque. 5h Moulongo. Oh, c'est l'élec, elle est Kawana.
Tu vas voir quelqu'un soulever des prières. Tu crois que c'est ce qu'il aime. Non. Il regarde la joie. Et quand il voit cette joie-là, ça lui donne la force d'endurer. Toi, tu pries, tu ne vois pas la joie. C'est comme ça tu ne vas pas supporter le poids de la vie. Tu ne vas pas supporter même le poids de la prière. Le matin, la nuit. Mais vous pensez que qu'est-ce qui fait que je reste éveillé pendant la nuit en train de prier? Vous croyez que c'est le plaisir? Ce n'est pas le plaisir. Quand je regarde seulement la joie, je porte ces trois là. Je reste la nuit ronde. Quelqu'un va dire que l'évangéliste aime la prière. Faux. Je n'aime pas moi la prière. Je n'aime pas. Mais quand je regarde la joie à venir, c'est la joie là. Je veux qu'elle soit complète. Et la joie là vient déjà aujourd'hui. Ça me donne la force de danser, de danser, de danser, de prier, de me réveiller le matin, de rester la nuit en train de prier des heures et des heures. Quand je veux me fatiguer, je regarde la joie. Na fongoli bisu. Na quand tu pries, tu ne regardes même pas qu'est-ce que tu as ta la joie. Tu ne vois pas la joie. La c'est pourquoi tu manifestes pas la joie. Écoute ceci. Plus tu deviens joyeux, plus tu deviens puissant et résistant aux difficultés. Mingi mingi okomi na nguya pe zo telemela ma baku ya ma bien bon moi. 1 Thessaloniciens 5 16. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie te donne la capacité de supporter les difficultés, de supporter les temps difficiles, de supporter la prière et d'aller jusqu'au bout. Pour que ta joie soit complète. Bien-aimés, soyez toujours joyeux. Et ce n'est que ceux qui prient qui sont toujours joyeux. Ceux qui comprennent les mécanismes de la prière. C'est comme ça. Mon père, c'était quelqu'un de très joyeux. Même quand vous n'avez pas à manger à la maison, ne vous en faites pas. C'était sa phrase préférée. Papa, on a chassé à l'école. Ne t'en fais pas. Il était toujours là joyeux. Pourquoi? C'était quelqu'un qui savait mettre ses genoux à terre. Et il avait en vue la joie à venir. Et il les manifestait tous les jours de sa vie. Même quand les situations étaient difficiles. Moi aussi j'ai appris ça. C'est comme ça que je suis toujours joyeux. Et quelquefois les gens pensent que tout va toujours bien dans ma vie. La Bible me dit, même quand aujourd'hui ça ne marche pas, il y a des choses compliquées à supporter. Mais quand je regarde la joie, elle doit être complète. Dieu va répondre à ma prière pour que ma joie soit complète. Ce que je lui demande, il va donner pour que ma joie soit complète. Et par la foi, je commence déjà aujourd'hui à manifester cette joie-là. Parce que la Bible me dit d'être toujours joyeux. Et en étant joyeux, je suis surpris, je reçois la force de résister devant ces difficultés-là. 2 Corinthiens 6, 10. La Bible dit ceci. On nous croit affligés. Et nous sommes toujours joyeux. On nous croit affligés. Et nous sommes toujours joyeux. On nous croit pauvres. Et nous faisons beaucoup de riches. On nous croit dépourvus de tout. Alors que tout nous appartient. J'imagine l'apôtre Paul les jours où il était en train de dire ça. Pour le temps à Zolo Bambo. Les gens ici croient que nous sommes affligés. Ah, tout ça n'a pas si. Nous sommes toujours joyeux. Tout ça n'est pas. Il est toujours là avec nous. Bien-aimé, sois toujours joyeux. La joie te donne la capacité de supporter les temps difficiles jusqu'à ce que tu atteignes la joie qui est parfaite. Je vais te donner un exemple. Je suis un bon fan de football.
Et quand vous regardez le football, quand un joueur marque les buts, surtout quand le match allait vers la fin, c'est 0-0. Et si il marque, ils sont qualifiés. Quand ce joueur-là marque, il saute de joie. Il court. Il glisse sur la pelouse. Tu te demandes, il ne va pas se blesser. Mais le pire, c'est quoi? Toute l'équipe va venir monter sur lui. Il va se lever et il continue à courir. Il ne se plaint pas, j'ai mal au dos. Non, non. La joie qui est là lui permet de supporter le poids de tout le monde. Parce qu'il y a la joie, même quand on monte sur lui, il ne sent pas ça. La joie donne la force. La joie donne la force de supporter le poids de la vie. La joie donne la force. C'est pourquoi tu dois toujours être joyeux. Quand tu es joyeux, même quand on vient de te chasser du travail, tu dois supporter ça. Lorsqu'on va t'aider, je ne sais pas faire quoi, tu dois supporter. Parce que tu sais que j'avais demandé quelque chose à Dieu. Il va me répondre. La joie te donne la capacité de supporter le poids. Loba, amen. La joie te donne la force de supporter même le poids du jeûne que nous sommes en train de faire. Tu veux manger? Tu veux manger? La joie à venir. Quand tu es déjà joyeux, nous allons ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi la joie te rend résistant? Dis à ton voisin, la joie te rend résistant. Alors si les situations de la vie te font souffrir, vérifie ton niveau de foi et de joie. C'est que tes yeux ne regardent plus à la réponse que Dieu va donner à ta main. Et ça te rend triste. Toutes les personnes tristes, ce sont des personnes qui ne prient pas. S'ils prient, ils prient faux. S'ils prient, ils prient mal. Parce que le diable va t'empêcher de prier. Pour que Satan a copié qui sont sambela. Pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Et pour que toi tu ne sois pas joyeux. Pour que tu sois triste. Pas de prière, pas de joie. Ce qui le semble exalté est syncopé exalté. Quand il n'y a pas la prière, ce qui le semble exalté, comment je découvre que cette personne ne prie plus? Le lundi la montée semble les sauter. Il commence à se plaindre par rapport à sa situation. Abandé collé la peau dans ma cambo. De manière excessive. Na collé ka. Je sais qu'il prie plus. Nébita semble les sauter. Quand je vois quelqu'un devenir trop triste, na moni motoko mama, trop abattu par sa situation. Collé ma ming na tira ma cambo. Même s'il passe toute une nuit ici, babababo. Il n'a pas prié. Et il n'a rien demandé. C'est comme ça le Seigneur va lui dire, jusqu'à maintenant tu n'as pas encore prié. Jusqu'à maintenant tu n'as rien demandé. C'est comme ça tu dois prendre les éléments que j'ai donnés. Intégrer-les dans ta prière. Là tu vas prier. Toi-même, ça c'est sans effort. Ça c'est fait par l'Esprit de Dieu. La joie viendra de soi dans ton cœur. Et quand on prie, on est joyeux. On supporte les choses. Mais quand on ne prie pas, ah oui, dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Troisième chose. Jacques, chapitre 5, verset 13. Pourquoi nous prions? Parce que la prière enlève la souffrance. Parce que la prière met fin à la souffrance. Donc nous prions pour mettre fin à la souffrance. C'est comme ça, quand tu pries, tu dois avoir cet objectif dans ton cœur et dans ta tête. Je prie pour mettre fin à cette souffrance. Je prie pour mettre fin. Écoute ce que la Bible dit dans Jacques 5, 13.
L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Vous voyez que la Bible est claire, hein? Ah. Ça a été clair depuis longtemps. C'est l'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Parce que la prière met fin à la souffrance. Et on dit, un autre est-il dans la joie? Lui qu'il prie pas. Parce qu'il prie déjà. C'est lui qui souffre, c'est qu'il ne prie pas. Il doit prier. Est-ce que la sambela? Mais c'est lui qui est dans la joie. On va pas lui demander de prier parce que c'est parce qu'il prie qui est dans la joie. Maintenant on lui demande quelque chose. Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Quand on parle de chanter, on parle de danser. Vous savez, la prière et la souffrance ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Le sambo n'a pas si. A quoi foutre les cigamorotés? Quand il y a la souffrance, c'est qu'il n'y a pas la prière. Ce qui passe, c'est que le sambo est athée. Comme ça, on te demande de prier. Mais quand tu pries, la souffrance part, la joie vient. Mais quand la joie vient, il faudrait danser. Il faudrait chanter. Pourquoi? Chanter maintenant et aujourd'hui. Parce que cette chose-là va venir. Tu l'as déjà vu. Et la joie que tu as, c'est par rapport à ce que Dieu va faire. Comme ça, tu chantes et tu danses. Quand tu as la joie, tu dois les démontrer. Par les chants et les danses. Pour ça, dit, celui qui est dans la joie, il doit danser. Il doit chanter. Vous savez pourquoi les oiseaux chantent les matins? Il sait que Dieu va pouvoir à sa nourriture. Il n'attend pas de manger dès le lever. Comment ça? Même ceux qui ont de mauvaises voix. Il y a particulièrement un oiseau. Même si ta voix est mauvaise, chante. Chante et danse. Il sait que Dieu va pouvoir. Il sait que moi je me suis réveillé le matin. Je ne manquerai pas à manger. C'est pourquoi le psalmiste dit, alors je chanterai sans cesse en ton honneur. J'accomplirai mes vœux chaque jour. Psaume 59, verset 9. Et psaume 59, 17. Il dit, moi je chanterai ta force. Nakoye maboka sinayo. Dès le matin, ou ta tongo, j'acclamerai ton nom. Car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Bien aimé, ce sont les chants et les danses qui attirent la provision. Voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Let's be glad in it. C'est comme ça, d'autres personnes ne comprenaient pas comment moi j'ai dansé ici. Regarde, c'est comme ça qu'il faut prier. Manifester la joie par les chants et les danses. Je n'ai pas encore vu ça physiquement. Mais mes yeux spirituels l'ont vu parce que Dieu répond toujours à la prière. Ce que j'ai demandé, il me le donnera. J'ai vu la joie qui sera complète. Et je la manifeste aujourd'hui. Comment? En chantant et en dansant. En chantant et en dansant. Si tu constates que tu as la souffrance, prie. Prie pour donner gloire à Dieu. Oui, pour obtenir la joie à venir. Et quand tu manifestes cette joie maintenant, danse et chante. Quand tu te réveilles le matin, tu mets ta musique. Regarde, il faudrait quelquefois tu es dans la maison, tu mets la musique, tu commences juste à danser. Tu vois, toi tu ris, mais moi je suis en train de prier. Yo, c'est quand on s'embête. Je suis en train d'accomplir mon vœu. N'importe qui ça, malakonanga. Hey!
Je suis déjà en train de célébrer Dieu. Parce que ce qui va venir demain, moi maintenant là, je le vois. Toi tu vois que je danse parce que je te vois. Non, Jésus est en train de voir la joie à venir. Et cette joie-là remplit mon cœur maintenant. Je n'ai pas encore de chaussures. Je n'ai pas encore des habits. Je n'ai pas encore une maison. Je n'ai pas encore voyager. Je n'ai pas encore le travail. Mais je danse. La zombie. Je danse. La Zobina. Je n'ai pas encore construit un grand temple. Est-ce que le temple mon est la Zobina. Je danse. La Zobina. Je n'ai pas encore acheté un avion. La Zobina nous peut projeter. Je danse. La Zobina. Je danse. La Zobina. Et toi, tu peux voir qu'on a mangé les poulets les matins. Mais il n'y avait pas à manger. Il fallait s'acquitter. Mais je danse. La Zobina. Parce que j'ai demandé à Dieu de me donner la nourriture que je veux. Et je sais qu'il répond à la prière. La nourriture sera sur ma table. Je danse, Zobina. Je danse comme David. Zobina, le roi David. Zobina. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un danse. Les gars, c'est l'homme Zobina. La façon dont c'est la mission mon asuka awa. De bouger et puis de vibrer. Microsia dagea balando ba. Chose. Pourquoi nous prions? Oui, pourquoi nous prions? La prière nous donne accès à la vie. La prière nous donne accès à la vie. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier. Et c'est là qu'ils devaient toujours prier. Sans jamais se décourager. Peba lembate. Sans jamais se décourager. Baye banako lembape. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Si tu ne pries pas, tu seras toujours découragé. Il n'y aura pas la vie dans ce que tu fais. Il n'y aura pas du courage. Nous devons nous arrêter. Il n'y aura pas du courage dans, dans ton mariage. Il n'y aura pas la vie. La prière amène la vie qui te donne la force de faire ce que tu dois faire. Quand tu pries, tu reçois la vie. La vie dans ton mariage. La vie dans ton travail. La vie dans ta santé. La vie dans ce que tu fais. Et il faut comprendre que la prière est un moyen de communication avec Dieu. Parce que Dieu l'a établi ainsi. Et nous ne pouvons pas considérer la prière comme une communication si nous ne nous mettons pas à l'idée qu'il y a et qu'il y a zongi. Il faudrait que tu parles et puis que tu aies la réponse. Donc la prière c'est parler à Dieu. Dis à quelqu'un la prière c'est parler à Dieu. Je dis c'est parler. Parler. Koloba. C'est pas faire du bruit, c'est parler. Et quand nous parlons à Dieu, on appelle ça la prière. Mais quand Dieu nous parle, ce n'est pas la prière. C'est quand toi tu parles à Dieu. On appelle ça la prière. Mais quand Dieu te répond, on appelle ça la transfusion de la vie. Dieu ne prie pas. C'est toi qui prie. Quand toi tu parles à Dieu, tu pries. Mais quand Dieu te parle, il te communique la vie. Il ne prie pas. Jean 6, 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'Esprit seul n'aboutit à... L'homme seul n'aboutit à rien. Et Jésus continue, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Donc quand toi tu parles à Dieu, tu pries. Mais quand il te parle, il te donne son esprit et la vie. Je dis quand Dieu te parle, il te donne l'esprit et la vie. Donc la prière est une activité qui te permet de recevoir la vie de Dieu, de recevoir l'esprit
de Dieu. Et c'est pourquoi il faut chercher à tout prix que Dieu te dise quelque chose quand tu veux. C'est ça la dimension prophétique. Parce que je suis en train de vous enseigner pour vous aligner sur la dimension prophétique. Donc chaque fois que tu pries, tu dois chercher à ce que Dieu dise quelque chose. Parce que c'est quand il te parle, il te communique l'esprit et la vie. Il te communique l'esprit et la vie. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, l'écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. C'est-à-dire ta vie dépend de la réponse de Dieu, dépend de ce que Dieu dit. Au-delà de vivre la réalisation de ce que tu as demandé, tu dois chercher à entendre la voix de Dieu. Parce que quand tu entends la parole, quand tu entends la voix de Dieu, elle te communique la vie, elle te communique l'esprit. C'est ça être prophétie. Ta vie est soutenue par la parole de Dieu. Si seulement par ta prière, tu peux écouter Dieu ou tu peux provoquer Dieu à parler. Et quand Dieu te parle, ce n'est pas une prophétie. Parce que Dieu ne prophétise pas. Dieu n'est pas un prophète. Il est Dieu. Quand il parle, il ne prophétise pas. C'est quand toi tu prends maintenant ce que tu as reçu de Dieu, tu le dis. C'est ça la prophétie. Mais quand Dieu a parlé, il n'a pas prophétisé. Il a communiqué l'esprit et la vie. Mais quand toi tu interprètes le langage de cet esprit et de cette vie qui est venue, et que tu le dis, c'est ce qui fait de toi prophète. Ou je peux dire, c'est ce qui fait de toi prophétique. La capacité de recevoir la parole de Dieu, d'entendre Dieu. Et vous savez, les théologiens ont dit ceci. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu le temps de silence de Dieu. On a appelé ça l'âge des ténèbres. Et vous savez, quand Dieu ne parle pas, c'est les ténèbres qui s'installent. C'est comme ça ta vie devient dans la confusion. Vous allez remarquer que chaque fois que tu as la capacité d'entendre ce que Dieu te dit, tu seras toujours fort parce qu'il y a la vie qui vient en toi. Et ça te donne le courage. Ça te donne la force. Ça te donne le courage. Ça te donne la joie. Parce que tu as la capacité d'entendre Dieu. Mais Dieu ne parle qu'à une prière qui est bien présentée. Selon les critères que j'ai donnés. Et tu dois être intentionnel quand tu pries. Tu dois croire que Dieu me répond. Et il doit répondre. Dieu doit me répondre. Parce que s'il ne me répond pas, je n'aurai pas la vie. Pierre lui a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as quoi? Les paroles de la vie. Maintenant toi tu veux sortir sans entendre les paroles de la vie. Comment est-ce que tu vivras? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est que quand tu te tiens devant Dieu, tu vas lui rappeler maintenant comment tu veux que je vive. Si tu ne parles pas, si tu ne me dis rien, comment tu veux que je vive? Parce que moi je ne peux pas vivre du pain, mais je vis de toutes paroles qui sortent de ma bouche. Et quand je me tiens devant toi, je te parle. Hé, parle-moi. Parle-moi. Il aime ça. Parce que Dieu aime parler. Dieu aime parler. Et il cherche à qui je dois parler. Mais si tu te présentes bien dans la prière, Soyez tu désires l'écouter parce que tu crois que ces paroles c'est ce qui va te donner la vie par rapport à ce que tu vis et tu expérimentes. Il suffit que tu entends le même ah de la part de Dieu. Bien aimé, la vie qui viendra en toi, il suffit que Dieu te dise bonjour. Alors ne permettez jamais à Dieu de rester silencieux dans votre vie. Si tu penses que Dieu est resté silencieux, révolte-toi. Il refuse cet état de choses. Il ne peut pas rester silencieux. Parce que s'il reste silencieux, comment je peux vivre? Comment je peux vivre? Comment je peux vivre? Il doit me parler parce que je suis son fils. Il a mis son esprit en moi pour me parler. Et vous savez, même quand Dieu est silencieux, si tu es prophétique, tu vas entendre sa parole dans le silence.
Parce que Poète, si Dieu reste silence, si tu es prophétique, tu comprendras ce que ce silence veut dire. Et ça veut dire que Dieu t'a parlé par son silence. Et son silence peut te dire peut-être que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Son silence peut te dire que tu as déjà commencé à dévier. Donc quand tu es prophétique, le silence de Dieu peut aussi te parler. Mais ne permets pas à Dieu de rester silencieux. Maintenant tu dois faire ce qu'il faut pour booster Dieu. Pour provoquer Dieu à libérer sa bouche. Il y a un jeune homme qui l'a fait. 1 Samuel 3:1. La Bible déclare, quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. Retiens ça, je vais développer ça. La Bible dit, quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui donne une vision. Ça, c'est la version française courante. En ce temps-là, il était rare que tu parles à un homme directement ou qu'il lui donne une vision. Mais c'est en ce temps-là que Dieu est venu appeler à parler à Samuel. Parce que le petit Samuel était au service de l'Éternel sous la surveillance d'Élie. Le service de Dieu sous la surveillance de celui qui l'a établi se place sur le canal pour que Dieu qui était silencieux te parle. Imaginez maintenant, ça j'en parlerai le quatrième jour, dans 2 jours peut-être. Mais nous maintenant, cette époque-là c'était où la parole était grave. À cause de ce que Samuel avait fait, partant de sa mère, Dieu a ouvert la bouche pour lui parler directement. À cette époque-là, il était rare que Dieu parle à un homme directement ou qu'il donne des visions. Maintenant, nous sommes dans quelle période? Dans les derniers jours de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est rare maintenant? Actuellement, Dieu parle, les visions. Mais comment toi, tu n'entends pas? C'est que ton cas est grave. Comment tu ne vois pas de vision? À la période où ce n'est pas rare. C'est-à-dire où Dieu lui-même s'élève, il dit, je veux parler. Et il parle à tout le monde, à n'importe qui. Mais c'est seulement toi qui n'entends jamais Dieu. C'est tellement toi qui ne vois jamais de vision. Ça doit te révolter. Parce que les pesos canada. Aujourd'hui, normalement, tu dois te fâcher. Parce que nous sommes à une période où Dieu parle. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Si j'étais toi ce soir ici, je ne rentre même pas à la maison. Sous la colère. Je dis, Dieu, pourquoi ça? Je reste ici. Je vais prier jusqu'à ce que je voie. Jusqu'à ce que j'entends. Et puis tu trouves ça normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Parce que c'est quand Dieu commence à te parler que la vie vient. Sa parole libère la vie. Et toi, tu n'entends pas Dieu ni par vision. Attends, et puis tu espères vivre bien. C'est la mort. C'est... Est-ce que tu comprends la raison pour laquelle tu passes par des situations? Tu dois te révolter. Parce que quand tu entends Dieu, j'ai dit la parole de Dieu dans la vie. Mais si Dieu te parle de la maison que tu dois habiter, tu as eu cette maison parce que Dieu a parlé. Il y aura la vie dans cette maison parce que Dieu avait parlé. Si tu te maries un mariage que Dieu avait parlé, tu épouses quelqu'un que Dieu, la parole de Dieu a montré, il y aura la vie dans ces mariages là. Si tu commences un travail que Dieu a parlé, il y aura la vie parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est comme ça tu dois désirer c'est que Dieu parle de tout ce qui arrive dans la vie. Lukana nyoso ya bomo no zamba loba.
Si Dieu a parlé par rapport à ce business là, il y aura la vie. Si Dieu a parlé par rapport à cet enfant là, il y aura la vie. Si Dieu a parlé par rapport à cette voiture là, il n'y aura pas d'accident, il y aura la vie. C'est-à-dire, tu dois te rendre compte que même quand tu veux aller acheter une voiture, Dieu doit te montrer la voiture que tu dois acheter. Si tu achètes cette voiture là, il y aura la vie. Quand tu veux voyager, même la compagnie que tu dois choisir pour payer les billets, tu dois que Dieu parle. Il y aura la vie. Même l'église que tu dois fréquenter, tu dois entendre Dieu. Il y aura la vie. Les départements où tu dois travailler, tu dois entendre Dieu. Parce que Dieu a parlé. Il y aura la vie. Il y aura la vie. Il y aura la vie. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui cherche à recevoir cette vie. Tu commences le ministère alors que tu n'as pas entendu. On te voit directement. Tu commences une église. Tu n'as pas entendu Dieu. Tu commences un ministère. Dieu n'a pas parlé. Il n'y aura pas la vie. Et là, j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes dans les ministères, ils souffrent. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. Cherche à écouter Dieu pour tout ce que tu fais. Et maintenant, nous voulons prier et provoquer Dieu. Nous voulons maintenant provoquer Dieu. Qu'il parle. Qu'il parle. Sois révolté maintenant. Qu'il parle. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions d'abord manifester notre joie. Choral, venez. La ligue totale, c'est mon abisson à nous. Après ces chants, si maloyembo, sois révolté. Ça va qu'on boka. Pour dire à Dieu, pour nous l'obtenir. Pour l'obtenir. Où font la gima pour Nini? Nandeni. Nandenge. Nini. Nandeni. Faloba. Faloba. Hein? Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pour. Il dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Complète. Nous voulons déjà exercer. Et lorsque nous serons en train de prier, vois la gloire que tu vas donner à Dieu. Et par ta danse, si que la gloire de Dieu te visite et que tu sois libéré. Tiki mo bebe na yo etindi kangai maboko na yo na mokongo na ngai etindi kangai iambala oyo eza elamba ya kembo tidika tata pesa baboto lange eza elamba ya fami oyo mata potifala longola nga eza laki ya bango oya misato eza laki elamba ya prison iambala oyo nalati elamba ya valeur oyo yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo yabimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te yesu nde mopesi miso nange ebetabeta te naza ya yesu e na yo nakoma ya yesu aleluya sikola ngai alatisa ngai apesola ngai na makila na yesu bongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mpopo iambala oyo eza elamba ya kembo miso emesana komona eloko te na bomoi na nga yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya mokebo ezomona ezo anonse vula vula ekonoka akabe akomona nga mosali na yo nakokufela na ilama tete shama nga mosali nakokufela na ilama tete yesu kino nabona babamba nabongola maloba ngai mosali nakolongwa mokili oyo na imiliation te nga nalelalela te naza ya nzambe lisusu na debateba te alliance eza makasi ngai yo nakoma ya yesu aleluya asikolama
mokonzi monene papa milolo milolo bina pona Yesu Commence maintenant à prier. Commence à déclarer avec foi ce que tu viens demander ce soir à Dieu. Commence à dire à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Commence à dire à Dieu, je vois cette joie et je sais que ma joie sera parfaite. Je sais que ma joie sera complète. Ma joie sera complète. Ma joie sera complète. La branda gayazike da la banda. Et la qui le gazoua da la mandelege. Le branda la bachanda la gaya. Ma joie sera complète. Ma joie sera complète. Ma joie sera complète. Randa gala. Je commence à la manifester maintenant. Begla douzaria de lebrega. Yekate la brande le bechanda raba. Ibranda la marza gati le gozai. Isakri et akela mama boza. Ibronto lobosia takareve. Ebronelie takiranda gaya. Ikando lo kosumandi agebalate. Ekandi amahando lo prede idakanda. Ebrando lo kodiande le predesia daka. Ebrando lo brondo kande le kribetando maya. E brande le preghiando cande le gria. E soccronte le brande che vereno mosi. E branda la basi brande le besaya. E la brande le besanda la baba. La brondo lo zoite cle derima. E la blonde le besanda la ba. E branda la basanda la laba. E la rabasanda la bala baba. E la rabasanda la baba baba. E la rabasanda la brande. E brando sua diralia te clabreda. Isa rablande le beshandaba. E brada rababa. E la joie du peuple de Dieu sera parfaite. Maintenant, bien aimé, si quoi Monica, j'aimerais que tu sois révolté. À l'époque où la parole était rare. Dieu a quand même parlé à un jeune homme qui n'avait pas d'expérience. C'était juste un jeune homme.
Mais Dieu a vu l'attitude de son cœur. Dieu a vu la disposition de son cœur à donner gloire à Dieu. Parce que ceux de sa génération ne donnaient pas gloire à Dieu. Mais ce jeune homme était disposé à donner gloire à Dieu. C'est comme ça Dieu lui a parlé. Toi aussi dispose ton cœur à donner gloire à Dieu. Il y a ceux-là qui ont déjà dédié leur jeunesse, leur vie à Dieu. Mais pour quelle raison Dieu ne va pas vous parler? Lui-même il a dit: dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur tous vos fils et vos filles. Il est prophétisé parce qu'il faut entendre. Et les paroles du Seigneur, c'est ce qui donne la vie. Mais comment tu ne peux pas écouter Dieu? Tu as besoin de la vie dans ton travail. Tu as besoin de la vie dans ta chair. Tu as besoin de la vie dans ton mariage. Et il est prêt à te dire une parole ce soir. Alors, dis à Dieu, parle-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, demande à Dieu de te parler. Et sa parole te donnera la vie ce soir. Pendant ces 40 jours, toi tu recevras la vie. Cette nuit, Dieu va te parler. À cet instant même, tes yeux vont s'ouvrir et tu auras de vision. Tu vas voir. Dis à Dieu, parle-moi. Mais voici, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irais-je? À qui irais-je? C'est toi qui as les paroles. Dis un mot et ma vie sera changée. Dis un mot. Parle-moi. Qu'est-ce qui m'a disqualifié? Pour ne pas entendre ta voix, enlève cette chose qui me disqualifie. Allons-y que la bahata, la branda masia que la dosi, et branda la masia kato lava, et rende kleta la basaya. Il y a des gens qui vont voir, il y a des gens qui vont entendre, les yeux vont s'ouvrir ce soir. Les yeux vont s'ouvrir ce soir, les oreilles vont s'ouvrir, la vie va être communiquée, la vie va être donnée, la vie va être communiquée, la vie va être donnée, la vie va être communiquée, la vie va être communiquée, la vie, la basagata la mama, yabrana la masa yagale toreblede, et rablada la machada laba. La vie. Au nom de Jésus. Continue à prier. La grâce prophétique est en train de se répandre. Continue à prier. Continue à désirer. Le Saint-Esprit aime le cœur qui désire. Le Saint-Esprit aime le cœur qui l'appelle. Le Saint-Esprit aime le cœur qui l'appelle. Le Saint-Esprit, il aime la soif. Que celui qui a soif vienne, qu'il vienne. Il aime le cœur assoiffé. Et la grazia garaba. Il aime le cœur assoiffé. Iyakula kayaba. Iyala kia salaba. La grâce va exploser ce soir. Il aime le cœur assoiffé. Il aime le cœur assoiffé. Et l'onction de Dieu sur moi est disposée à soi.
disposé. Radaya. Garde silence maintenant. Pendant qu'il vient Siko. Garde silence, garde silence. Pendant qu'il vient. Garde silence. Garde silence. Ferme les yeux, lève tes mains. Kangamiso, tombola maboko. Père, Tata, dans le nom de Jésus, Akombo na Yesu, que cette parole prêchée ce soir, Maloba o ete amina poko ya lelo, Seigneur ce soir, oui, la kisa mina poko ya lelo. Prenne vie dans la vie de tes enfants maintenant. Que l'inattendu se passe maintenant. Que ça se passe maintenant. Que l'inattendu se passe maintenant. Et ça les massicoyo. Que l'inattendu. Otobane ko kanate. Se passe maintenant. Et ça les massicoyo. La joie qu'on n'a jamais ressentie. Et sengo otoyo kananote. La réponse à la prière. Et yanonalo sambo. La manifestation de la gloire de Dieu. Otali sa mankembo na nzambe. L'écoute de la voix de Dieu Oyoki mongongo na nzambe soit donnée à quelqu'un ce soir. Et pesa mana moto. Je prie à mon Dieu na sambeli nzambe qui te donne ces choses maintenant. Qui te donne ces choses maintenant. Et je déclare au nom de Jésus que tu vas sortir de ces lieux différents. Tu ne finiras pas ces 40 jours. Tu ne finiras pas ces 40 jours. Sans que toi-même tu n'entendes clairement la voix de Dieu. Sans que tu ne vois clairement dans la vision ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas comprendre l'œuvre de l'Éternel qui fait toute chose. Et tu seras capable de supporter le poids. Et tu verras la gloire de Dieu. Les gens s'étonneront de ce que Dieu va faire pour toi. Tu quitteras des chômeurs à directeurs. Tu quitteras des célibataires mariés sans enfants avec des enfants. Les yeux de la maison de Dieu répondront à tes prières parce qu'il aime répondre à tes prières. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre et à accomplir ses paroles. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous crions Amen trois fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur et rapidement tu viens donner ton offrande. Tu viens donner ton offrande pour dire merci à Dieu pour cette révélation. Et pour cette parole. Viens vite, nous allons finir. Viens vite. Apporte ton offrande pour dire merci à Dieu. Que Dieu t'aime. Que ton offrande soit agréée par Dieu et que le ciel soit ouvert sur toi. Les bons anneaux dit maman nzambe pelo le fongwa melayo. Que tes offrandes soient agréées par Dieu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola biso. On peut encore acclamer le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Alors si vous avez amené votre enveloppe pour la construction, j'aimerais simplement demander de vous avancer. Si vous avez votre enveloppe pour la construction ou votre dîme, avancez s'il vous plaît. Enveloppe pour la construction, une action de grâce, avancez. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. 8e. Donc, il ne reste que 2 jours. Nous allons commencer à partir du 29. Nous allons commencer la 10e phase de notre jeûne. Et Kunande Koyinda. Amen. Alors, pendant la journée, prenez
de l'eau, suffisamment de l'eau. Hein? Ne te prive pas de boire de l'eau. Et prenez du jus, ou soit prenez du thé. Et le soir, nous ouvrons le jeûne après le culte. Donc après le culte, tu peux rentrer. Et mange bien. Mange très bien. Alors on va se retrouver demain à 17h. Demain, c'est jeudi. Nous allons nous retrouver ici à 17h pour notre culte. Mais aujourd'hui, à 23h, connecte-toi pour la prière. Le temps de sacrificateur. Nous avons prière en ligne chaque jour, de 23h à 1h30. Alors aujourd'hui, connecte-toi pour la prière et le Seigneur te fera. On nous a déjà parlé de la prière, donc je ne vais pas donner de commentaires. C'est la prière à 23h. Et demain à 12h, nous serons là pour la prière à midi. C'est également en ligne. Donc dès qu'il sera midi demain, connecte-toi pour prier avec nous. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer, nous voulons recevoir quelqu'un qui est là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, aidez-moi simplement à soulever votre main, nous allons vous accueillir. Si vous êtes là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur qui est venue prier avec nous? Que Dieu vous bénisse. Alors aidez-nous simplement à remplir ces petits formulaires, ces petits feuillets-là. Et à la fin, nous allons vous recevoir juste pendant 5 minutes. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons clôturer. Élevons-nous, élevons nos mains. Père, il lui a déclaré, en toi il n'y a aucune ombre de variation, en toi il n'y a aucun changement. Tu es le Dieu qui a institué la prière, tu es le Dieu qui a établi la prière. Et pour nous, tu n'es pas seulement un Dieu, mais pour nous, tu es le Père, la source de toutes choses. Et ce soir, Seigneur, merci pour cette flamme de la prière, ô Dieu, qui brille dans chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci pour la soif. Merci pour la soif. Merci pour l'esprit de la prière qui repose sur ton peuple au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Merci pour la joie. Merci Seigneur parce que nos vies sont des vies de témoignages. Et assurément Seigneur, nous allons glorifier ton nom. Lorsque nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies, Père, nous allons te rendre à toi et à toi seul toute la gloire et tout l'honneur. Merci de ce que tu bénis nos vies. Merci de ce que tu envoies ta parole. Tu nous parles, Seigneur. Seigneur, fais ta part. L'exaucement. Accorde-nous l'exaucement, Seigneur. Et nous allons nous mettre simplement à prier, à te chercher de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Et c'est avec foi que nous confessons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. On se voit demain à 17h pour le culte. Toc, toc, toc. Mm. 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 Mm.